Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter notre top 4 des meilleurs détecteurs de métaux 2021. On est tout de suite parti, let's go! À la quatrième place, nous avons sélectionné le détecteur de métaux Garrett Ace 150. Le Garrett Ace 150 est équipé d'un écran LCD, ce qui permet de bien avoir la cible en visuel. De plus, cet écran affiche une échelle de métaux qui se charge de montrer en détail les probables natures des cibles. Par ailleurs, il y a une sorte de curseur qui se déplace sous la légende pour mieux indiquer le type d'objet. De plus, il dispose de trois types de sonorités. Un son de cloche pour les métaux nobles ou les objets plus gros, un son médium, tel un micro-ondes, pour les petites pièces et un son grave pour le fer. En outre, il est tout à fait possible de régler la puissance de cet appareil, afin de mieux affiner sa recherche. Cerise sur le gâteau, il est présent sur le marché à un prix défiant la plupart des concurrents. De même, vous pouvez l'acheter dans une version pack. Ainsi, il sera livré avec un casque réglable du volume et un protège-disque. Tout ceci vous permettra alors d'optimiser vos recherches. Comme d'habitude sur TopTech, si vous souhaitez obtenir plus de détails concernant les caractéristiques techniques et obtenir les meilleurs prix que nous vous avons dégotés sur Internet, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Vous aurez tous les liens cliquables à votre disposition. À la troisième place, nous avons sélectionné le détecteur de métaux Garrett Ace 250. Le détecteur de métaux Garrett Ace 250 possède un pinpoint, notch et un vue-mètre gradué sur 12 segments. Tous ces éléments permettent à cet appareil de vous offrir une localisation bien précise des objets ciblés. Il est possible d'ajouter à cet appareil un disque de 38 cm ou encore un Ultimate 33 cm, ce qui lui conférera des performances plus en profondeur se rapprochant d'un appareil haut de gamme. De plus, ce détecteur de métaux propose une discrimination préétablie sur 4 modes. En effet, il est possible de les modifier par le biais de sa fonctionnalité custom, ce qui permet ainsi de manipuler l'appareil à votre guise. Par ailleurs, le Garrett Ace 250 dispose d'une fréquence de recherche de 6,5 kHz et un multiton sur 3 tonalités, ce qui offre alors un mode de recherche assez dynamique. De plus, bénéficiez de 35 heures d'autonomie grâce à ses 4 piles LR6 de 1,5 V, non fournies. À la deuxième place, nous avons sélectionné le détecteur de métaux Bounty Hunter Gold Digger. À cette deuxième position, le détecteur de métaux Bounty Hunter Gold Digger doté d'une discrimination réglable. Cette dernière se sert d'une interface graphique pour son fonctionnement. En effet, avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir marquer un certain type de métaux que vous ne désirez pas avoir en détection. Par ailleurs, il combine à la fois trois réglages que sont la discrimination, le mode de recherche et la sensibilité. Ce sont des paramètres très avancés qui vous offrent plus de facilité lors des moments de recherche. De plus, on note ici que cet appareil intègre également une fonction sélective avec une distinction de sonorité, ce qui permet alors de déterminer la profondeur, la distance et aussi le type de métal ciblé. En outre, les débutants n'auront aucune difficulté à le manier, car il fait preuve d'une grande légèreté et un usage très simplifié. De même, avec son contrôle de l'élimination de déchets, il permet de vous débarrasser des éléments indésirables. Pour finir, c'est un détecteur compact. Ainsi, vous pourrez le ranger facilement dans votre sac à dos. Et je vous rappelle que pour obtenir les meilleures réductions que nous vous avons dégotées sur Internet, cliquez sur les liens dans la description de cette vidéo. À la première place, nous avons sélectionné le détecteur de métaux Garrett ProPointer HAT. Le ProPointer HAT fonctionne à l'aide d'un seul bouton pour à la fois la mise en marche, la mise au point, le mode furtif et le réglage de la sensibilité, ce qui facilite considérablement son utilisation pendant l'exploration. De plus, ces options offrent la possibilité de régler les éléments tels que le mode alarme, la sensibilité du détecteur et autres. Par ailleurs, il intègre une règle en pouces et en centimètres. Cette dernière est gravée sur la paroi du détecteur pour vous permettre de mieux évaluer le niveau de profondeur de la cible. En outre, ce Garrett ProPointer HAT possède un indice de protection IP68, ce qui signifie qu'il peut être immergé complètement à une profondeur allant sur 3 mètres au maximum. Grâce à sa couleur orange, il offre à son utilisateur une meilleure visibilité sous l'eau. De même, lorsqu'on fait une pression rapide sur le bouton, l'appareil bloque l'environnement de façon à obtenir une détection plus précise. À présent, ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre dans la description de cette vidéo et de cliquer sur les liens pour obtenir toutes les caractéristiques les plus complètes et les meilleurs prix que nous vous avons dégotés sur Internet. Si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, mettez un like sur cette vidéo, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et abonnez-vous à la chaîne TopTech pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était TopTech, ciao ciao.